Allez, Arlequin, Oui. tu vas prendre la calculette et tu vas faire une addition 2 plus 3 plus 5, tu regardes si ça marche, si elle n'est pas truquée ou quelque chose comme ça. Égal, c'est bon. Il n'y a pas de truc bien précis. C'est une vraie calculette. De chez qui? De chez qui? De Casio. Casio, ouais. Donc tu la remets à zéro. Voilà, pas d'embrouille. Je veux pas qu'il y ait d'embrouille. Ok? Voilà, de zéro. Donc là, maintenant, tu vas faire une. Tu as jusqu'à 52. Tu vas prendre un nombre ou un chiffre, par exemple 22 plus 23, et ça va faire un chiffre, un résultat. Tu peux faire 12 plus 3, 4 plus 5, un nombre, un chiffre. Tu tapes. Tu mets juste... pas 52. Voilà, mais il faut que tu t'en rappelles de ces deux nombres ou ces deux D'accord. chiffres. D'accord. Je vais faire ça plus ça. C'est bon? Égal. Égal. Non, je me suis trompé. Bon, elle fonctionne? Oui, non, non, elle marche bien, elle marche bien, mais c'est pas... Voilà. Voilà. C'est bon? Ça va. On va prendre le résultat, on va le montrer à tout le monde. Tout le monde le voit? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, ce chiffre a été fait par... ça peut être 10 plus 22 ou... 16 et 16, d'accord. Donc, on va le mettre à 0. Bon. J'ai un jeu de cartes ici, et ce jeu de cartes va m'aider à retrouver tes deux chiffres, ce qui est carrément impossible. C'est possible. Parce qu'il y en a un grand nombre. Alors, ça va être très dur. Ça pourrait m'inspirer. L'as, non? L'as de carreau, ou le 10 de cœur peut-être. Ou alors je vais me faire aider par Michel. Ça te dit? Donc je ne sais pas si tu les vois. Tu vas me dire stop n'importe où. Stop. Quand tu veux. Hein. Mais un peu loin. Là. Ouais, non, mais quand tu veux, vas-y, tu dis stop. Stop. Là, je m'arrête? Oui. Je descends. Là? Ok. C'est bon? C'est une carte. Donc c'est une carte indicatrice. Est-ce qu'il y a un 7 dans ton résultat? Non. Ça ne nous aide pas trop. on va essayer attends, une autre carte. Michel, tu me dis stop. Stop. Là, ici, descends. Hop, là, il y en a une. C'est non? Non, c'est deux cœurs et dame de pique, ça ne me dit rien du tout. Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez que je peux trouver ces deux chiffres? C'est impossible. Impossible. Non, parce que... non, pas possible. C'était quoi? C'était 20 plus 12, fait 32. Je le savais. Oui, mais 20 plus 12, c'est ça, ben oui, ça c'est dame de pique. Là où je sais, c'est que derrière, il y a marqué 20, et ici, il y a marqué 12. D'accord. Ah, non. Si. Ah, ouais. Ça. Ok, on prend une autre, passe-la, pas plus 12. Merci de m'avoir aidé. Pas mal. Bravo. Ça pense, Michel. Étonnant. Bon, une si je dirais même plus étonnant autant qu'étrange. Étonnant qu'étrange. Voilà, ben merci. Voilà. Oh.